tous. Merci d'être présent. J'espère que je vais satisfaire vos attentes. Donc, je vais parler du seul à concentration et le remettre dans un contexte plus général. Donc, je vais démarrer par la ressource solaire. C'est important de savoir où est répartie l'énergie solaire et de quoi on parle, d'abord, parce que c'est d'abord une ressource. Alors, qu'est-ce que le solaire à concentration? Évidemment, il faut quand même définir de quoi on va parler. Je ferai un petit peu d'histoire pour vous resituer ça dans une démarche. Hein. Vous savez, en général, on croit toujours inventer des choses, mais en fait, on refait des choses un peu mieux, mais on n'invente pas grand-chose, en fait, in fine. Hein. On a quelques idées nouvelles, mais... Et alors, je parlais un peu de centrales solaires dans le monde pour vous dire quand même que ça existe. Hein. Je parlais de la recherche. Et puis, l'évolution des coûts, c'est important de savoir comment évoluent ces coûts, vers quoi on va. Et puis, je vais le situer par rapport au photovoltaïque. Alors, vous allez voir, je fais faire un certain nombre de comparaisons par rapport au photovoltaïque. Ce n'est pas pour opposer les deux, hein, c'est juste parce que la plupart de vous connaissez le photovoltaïque, vous ne connaissez pas ou peu l'énergie solaire concentrée. Donc en fait, c'est juste pour comparer, c'est absolument pas pour opposer l'un à l'autre. Hein. Soyons très clairs sur la démarche. Voilà. Et puis, quel futur dans le contexte du réchauffement climatique? Alors, juste avant de démarrer, pour situer la problématique. Donc ça, c'est des statistiques 2016. Hein, pour faire des statistiques mondiales, il faut du temps. Donc aujourd'hui, on dispose que des statistiques 2016. Alors, c'est la production d'électricité. Quelles sont les sources d'énergie utilisées pour la production d'électricité dans le monde, hein, et donc, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a à peu près une vingtaine de pourcents de nucléaire. Il y a 30% de charbon. Il y a 33% de gaz naturel. Et puis après, il y a les 16% qui restent, là, ce sont les énergies renouvelables. Okay. Parmi ces énergies renouvelables, donc c'est ce morceau-là, hein, okay. Eh bien, en fait, à peu près deux tiers, même bon deux tiers, c'est de l'hydraulique. Donc, vous connaissez tous les barrages, etc., les chutes d'eau. Et le reste, vous voyez, c'est ici, vous avez l'éolien. Vous avez l'énergie, ce qu'on appelle la biomasse, le solaire est ici. Donc vous voyez, c'est 6% de 15%. Hein. Donc c'est 1%, grosso modo. Bon. Globalement, ça représente à peu près 1% de l'énergie produite dans le monde aujourd'hui, de la consommation d'énergie dans le monde. Voilà. C'est pour vous situer le contexte, il y a de la marge de progression, vous voyez, on peut y aller, quoi. Il y a du travail à faire. Voilà. C'est juste pour vous situer à peu près de quoi on parle, hein, dans un contexte global. Alors, la ressource solaire. Alors, ce petit schéma vous permet d'évaluer, en fait, de comprendre de quoi on dispose au niveau du soleil. Donc, c'est cette espèce de parallélépipède là, c'est l'énergie solaire annuelle qui arrive sur la Terre comparée aux ressources fossiles, uranium, charbon, gaz, pétrole. Et ici, ce petit morceau, c'est la consommation annuelle mondiale. Donc, vous voyez que c'est absolument... Alors ça, c'est les réserves hydrauliques, les réserves hydroliennes, et puis là, en éolien, excusez-moi. Et là, c'est la partie photosynthèse, c'est-à-dire la biomasse. Donc, vous voyez que le potentiel d'énergie solaire, c'est absolument énorme. On a l'habitude de dire que c'est à peu près 5 à 6 000 fois l'énergie consommée par l'humanité annuellement. Voilà. Les ordres de grandeur, c'est ça. Donc, en fait... Il y a beaucoup de potentiel d'exploitation. Alors, deuxièmement, ce qui est important aussi de comprendre, parce que vous allez voir que c'est important par rapport aux technologies. Alors, lorsqu'on parle de ressources solaires, il faut bien comprendre que lorsqu'on est sur la surface de la Terre, l'énergie solaire qui arrive sur la surface de la Terre est composée de deux composantes. C'est-à-dire la composante directe, c'est-à-dire que vous êtes ici, vous regardez le Soleil, donc ça vient du Soleil, le petit cône qui vient du Soleil, hein. Et puis ce qu'on appelle la composante diffuse. Alors diffuse, c'est quoi? C'est parce qu'il y a, par exemple, des particules dans l'atmosphère, vous avez un peu de brume, etc. Et donc le Soleil est un peu voilé, donc en fait le rayonnement est diffusé par l'atmosphère, et donc cette composante, ce qu'on appelle la composante diffuse. Bon. Alors,
ce qui est important de savoir, c'est que l'énergie solaire concentrée, dont je vais parler par la suite, n'utilise que la composante directe. Parce qu'on ne sait pas concentrer la composante diffuse, parce que ça vient de partout. Donc, bah, vous orientez votre miroir, bah, vous ne concentrez rien, puisque ça vient de partout. Vous voyez, ça rediffuse partout. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas mettre en œuvre cette technologie partout dans le monde. On peut le mettre en œuvre que dans certaines régions où il y a une composante directe importante par rapport à la ressource globale. Pour vous donner des ordres de grandeur, en Europe, on estime que la composante diffuse est à peu près 50% globalement, hein, de la ressource solaire. Voilà, donc il n'y a que dans certaines zones, dont je vais parler par la suite, où la composante directe est largement supérieure à 70-80%. Voilà. Et en particulier en France, en Cerdagne, la composante directe est environ 80-90% de la ressource solaire. Donc c'est pour ça qu'il y a des installations solaires en Cerdagne. Tout simplement parce qu'on est en altitude et il y a très peu de particules, il y a très peu de vapeur d'eau, etc. Donc il y a très très peu de diffusion. Alors, ensuite, lorsqu'on parle également de ressources, il faut savoir qu'on peut mesurer plusieurs types de rayonnement. Alors, en fait, vous avez ici plusieurs courbes, ce sont des courbes qui ont été mesurées pour un jour de ciel clair. Alors, un jour de ciel clair, vous avez ici ce qu'on appelle la composante directe, c'est-à-dire vous avez un appareil qui suit le soleil dans sa course et qui va mesurer ce qui vient directement de la source solaire. C'est un petit angle, et donc, en fait, on ne mesure pas le diffus. Et donc, vous voyez, cette courbe, elle croît très, très vite, et puis on a un plateau, et ça redescend. Donc, vous voyez que c'est, pour un jour clair, c'est la ressource la plus importante. Maintenant, si vous imaginez une surface qui est comme ça, donc elle est ce qu'on appelle l'horizontale, hein, par rapport au soleil, eh bien, vous imaginez que le soleil étant incliné, eh bien, cette surface elle reçoit moins d'énergie que lorsque vous suivez le soleil. Vous êtes perpendiculaire au soleil. Et donc c'est cette courbe-là. Ça, c'est horizontal. Et ce que vous trouvez en général dans les données qu'on vous fournit sur des bases de données, ben, c'est en fait la composante horizontale. Et vous n'avez en général pas la composante directe. Hein. Donc on peut calculer, il y a des estimations qu'on peut faire, mais ce n'est pas du tout évident. Et vous voyez, pour ici, un jour très clair, eh bien vous avez la composante diffuse qui est très très faible, qui est environ, ici, à peu près 10% de la ressource globale. Voilà. Donc ça, simplement pour vous dire que quand on parle aussi de ressources, il faut savoir exactement de quoi on parle. Hein. Donc en fait, il faut faire des mesures. Alors il y a des mesures satellites aussi qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Alors, simplement, cet effet-là d'inclinaison, hein, ce qu'on appelle l'effet cosinus, parce qu'évidemment, en fonction de l'inclinaison, vous n'avez pas la même ressource. Alors, ici, vous avez en fait les zones du monde où il y a la ressource solaire la plus intéressante en rayonnement direct. Alors, évidemment, ce sont les zones orangées, hein, et jusqu'au rose. Hein. Alors, vous voyez que l'échelle, c'est une échelle qui s'exprime en kilowattheure par mètre carré et par an. Voilà. Donc, c'est vraiment une ressource en kilowattheure. Donc, pour mettre en œuvre des installations solaires à concentration, il faut être à des niveaux minimum de 1800 à 2000 kilowattheures par mètre carré par an. Donc, en fait, sur cette carte-là, c'est les zones qui sont déjà jaunes, orangées et sombres, jusqu'à jaune sombre et jusqu'à l'orangé. Donc, vous voyez que il y a tout l'Afrique du Nord. En Europe, il y a essentiellement l'Espagne. Vous avez un petit peu le sud de la France, un petit peu l'Italie, mais bon, c'est déjà sur la limite. Hein. Et puis, vous avez ici des ressources très, très importantes dans le sud-ouest des États-Unis. Vous avez ici une ressource qui est absolument incroyable dans le nord du Chili, désert d'Atacama. C'est la ressource solaire la plus importante au monde. On arrive à peu près à 3800 kWh par mètre carré par an, ce qui est absolument énorme. Vous prenez l'ordre de grandeur en Cerdagne, donc à côté, c'est à peu près 1900. Donc c'est le double, grosso modo. Quoi. Ça vous donne un peu le potentiel qu'ils ont. Vous avez ici également l'Afrique du Sud, qui a des très très bonnes ressources solaires. L'Afrique du Sud, la Namibie, etc. Donc c'est très très bon. Tout l'Australie. Et puis vous avez ici également, évidemment, tout le Moyen-Orient. En Chine, il y a, disons, dans la zone nord, donc il y a des ressources intéressantes.
Et puis, bon, si ça, c'est plutôt l'Himalaya, donc c'est en altitude. Voilà. Bon, ça vous donne un petit peu le potentiel. Donc, vous voyez que ce n'est pas nul en Europe, mais c'est quand même essentiellement Espagne, Portugal, un petit peu en sud de la France et un petit peu aussi en Italie. Aussi en Grèce. Mais ce sont des ressources qui sont au niveau pas très, très important. Ce n'est pas les meilleures ressources solaires, mais bon, il y a des centrales solaires en Espagne, j'en parlerai. Alors, le solaire thermique à concentration, c'est quoi? Bon, c'est très simple dans le principe. On a un système de concentration dont je vais parler tout de suite après. On convertit cette chaleur, donc cette énergie solaire en chaleur, à un niveau de température entre 150 et 2000 degrés. Et puis, avec cette chaleur, on peut faire plusieurs opérations. Faire de l'électricité, ce qu'on appelle la conversion thermodynamique. Donc ça veut dire, c'est très simple le principe, c'est-à-dire on remplace par exemple la chaudière d'une centrale à charbon, on remplace cette chaudière par l'énergie solaire, tout simplement. Et après le reste c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on produit de la vapeur ou un gaz chaud, peu importe, mais en général c'est de la vapeur, on détend cette vapeur dans une turbine et on produit l'électricité. Donc voilà, donc on remplace une source par une autre, tout simplement, et c'est le même principe après de conversion. On peut faire de la chaleur industrielle. La chaleur industrielle, c'est quoi? En fait, dans l'industrie, on utilise beaucoup de vapeur haute température, on utilise plein de procédés à haute température, donc on peut très bien imaginer qu'on va remplacer cette chaleur par l'énergie solaire directement. Et puis, on peut faire ce qu'on appelle des combustibles de synthèse. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, fabriquer de l'hydrogène, fabriquer d'autres éléments qui peuvent remplacer les combustibles fossiles. Je ne parlerai aujourd'hui que de ça, parce que je n'ai pas le temps de faire le reste, mais voilà, donc je ne parlerai que du premier point. Voilà, donc juste pour vous dire que ça ne s'arrête pas là, et on travaille un peu sur l'ensemble de ces trois domaines. Alors, les systèmes de concentration, faut bien comprendre qu'ils ne sont pas tous équivalents. Alors, il y en a, industriellement, il y en a à peu près quatre qui fonctionnent, et donc on distingue en fait des systèmes linéaires et des systèmes ponctuels. Alors système linéaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque système à concentration a un système de suivi du soleil. Ça c'est déjà première chose. Ce système de suivi du soleil peut être selon un axe ou selon deux axes. Vous imaginez le soleil qui fait ça dans le ciel. Bon, vous avez sur un axe, vous allez le chercher comme ça, puis vous tournez, puis hop, le soir vous arrêtez, vous repartez. Bon. Sur deux axes en fait, puisque vous savez que en fonction des saisons, évidemment, le soleil, eh bien, il bouge en altitude dans le ciel. Et donc, en fait, selon deux axes, vous allez bouger aussi en fonction de ce mouvement du soleil dans le ciel. Donc, les linéaires, c'est un axe, et les ponctuels, c'est deux axes. Et vous voyez qu'évidemment, en un axe, on peut monter à des températures de l'ordre de 500 degrés, pas au-dessus, justement parce qu'on n'a pas des concentrations très élevées. Les taux de concentration, c'est ici, entre 30 et 100 soleils. Sans soleil, c'est-à-dire c'est le rayonnement qui arrive au sol, tout simplement. On concentre, on multiplie le soleil, c'est l'habitude de dire comme ça, on multiplie l'énergie solaire qui arrive au sol. Et puis pour les ponctuels, on peut arriver jusqu'à plus de 10 000 soleils. Et donc, en fait, les systèmes de concentration linéaire, c'est soit des systèmes de type Fresnel, donc des espèces de lames comme ça qui bougent et qui concentrent sur un récepteur. Ensuite, vous avez les systèmes paraboliques. Donc, en fait, c'est comme une espèce d'auge très longue et qui concentre sur un récepteur qui est ici, et puis les systèmes ponctuels. Là, je n'ai pas mis les fours solaires, parce que les fours solaires, ce sont des systèmes de recherche et non pas des systèmes industriels. Je ne mets que les systèmes industriels. Donc, les centrales à tours, c'est ce qui est à Témis. Donc, ce sont des hélostats qui vont bouger sur deux axes, qui vont envoyer le soleil vers un point focal que vous avez ici, qui est en dehors de la tour, pour justement le matérialiser. Et puis, quand on travaille, évidemment, on va capter l'énergie en haut de la tour. Et puis les systèmes de type parabolique, où on a une parabole qui va suivre le soleil. Et donc vous voyez qu'ici, on a un système de récepteurs fixes, ici également, et là, on a des récepteurs mobiles qui vont bouger avec le système. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs technologies. Alors, un petit peu d'histoire. Je vais commencer par l'histoire de France et du département, voilà. Donc les pionniers dans le domaine, eh bien c'est Félix Trombe qui a démarré en fait dans la banlieue parisienne à Meudon, juste après la guerre.
Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il a récupéré des miroirs de DCA, donc la DCA, c'est la défense antiaérienne, et il a dit, je vais l'utiliser à l'envers. Hein. Donc, c'est-à-dire, le miroir de DCA, vous mettez un arc électrique au foyer, puis vous projetez. Bon. Et lui, il a dit, j'enlève mon arc, je le dirige vers le soleil et je vais concentrer au foyer, donc je vais faire l'inverse, démarche inverse de la lumière. Et donc, lui, c'est un chimiste de haute température, il a dit, je vais utiliser l'énergie solaire pour étudier la chimie des matériaux, et en particulier de matériaux dont on parle beaucoup aujourd'hui, les terres rares. Voilà. Donc, vous voyez, c'était un pionnier non seulement dans le domaine du solaire, mais en plus dans le domaine des terres rares. Et donc, ensuite, il a travaillé aussi avec Marc Fouax. Donc, il a développé le premier four solaire de taille industrielle pilote, et on va dire, c'est pas industriel, de taille pilote, à Mont-Louis en 1949. Hein. Donc, four solaire qui est maintenant à l'extérieur de l'enceinte, qui était avant à l'intérieur. Et puis, en 59, est lancé le programme de construction du grand four solaire d'Odeio. Vous voyez ici l'état des travaux en 1959. En 1962, excusez-moi, 59, c'est le lancement. Hein. Et puis, donc en 1962, et en 69, le four solaire est achevé et démarre. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis deux périodes. Hein. Une période, claire et une période sombre. Alors, la période claire, c'est quoi? C'est la période où la recherche solaire en France a été très active. Il y a eu beaucoup de financements, il y a eu des financements, on va dire, et on était encouragés à le faire. Voilà. À partir de 86, on a dit, écoutez, tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne va pas nous résoudre nos problèmes, donc on arrête. Voilà. Grosso modo, c'est pour simplifier le schéma. Moi, il se trouve que je suis rentré pour faire ma thèse en 75. Effectivement, c'est une période très enthousiasmante, parce que, on est de jeunes chercheurs, on va changer la face du monde, etc. Donc, c'est fantastique, hein, c'est très, très bien. Et puis, donc, ça me permet quand même de partir sur le bon pied, on va dire. Et puis, il y a eu Thémis qui a été construit en 83, on va en parler un petit peu après. Et puis, pourquoi 73? Premier choc pétrolier. Donc, vous savez, la France a des idées, pas de pétrole, mais a des idées. Donc, donc c'était l'idée derrière. Mais en même temps, on a lancé le programme nucléaire. Mesmer. Donc, 10 ans plus tard, le programme nucléaire était lancé, on avait construit les centrales, et le prix du pétrole a baissé. Donc, on a dit, le solaire, on s'en fout. Ça coûte trop cher, donc on arrête. Voilà, grosso modo, je fais un schéma rapide, c'est ça. Et donc, on a arrêté. On nous a dit, trouvez d'autres domaines de recherche, parce que, de toute façon, on n'aurait plus de financement de domaine du solaire. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a trouvé d'autres modes de financement, d'autres thèmes de recherche. Et on a recommencé à faire du solaire dans les années 2003-2004. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est apparu une nouvelle question qui n'était plus le problème des ressources énergétiques, mais le problème du réchauffement climatique. Donc, en fait, le réchauffement climatique a relancé les recherches solaires en France. En fait. Les besoins avaient changé, les questionnements avaient changé. Hein. C'était plus une question de le pétrole coûte cher, mais c'est une question, on brûle du pétrole, mais ça augmente l'effet de serre, donc il faut faire autre chose. Alors, les quelques dates clés, vous voyez, Mont-Louis 52, Odeio 68, Targazone avec la centrale solaire de Thémis en 83, et il se trouve qu'actuellement, il y a une centrale solaire commerciale qui est en train de se construire en Cerdagne, à Io, il se trouve que c'est le village où j'habite, qui va faire 9 MW, et je vous en parlais juste après. Donc, en fait, c'est la première centrale commerciale qui se construit en France, donc qui est en Cerdagne. Alors, pour vous donner envie... une photo que j'ai prise il y a à peu près un mois, pour ceux qui connaissent un peu la Cerdagne, c'est en montant au Cambre d'Aze. Hein, donc c'est à peu près en haut du Cambre d'Aze. Et donc vous voyez en fait, Font-Romeu c'est par là. Hein. Vous avez ici en fait la tour de Thémis, à Targazone. Vous avez ici le four solaire. Et puis vous avez ici la centrale de Io. Hein, vous voyez que les tailles sont différentes. Hein. Centrale de Io, c'est à peu près 25 hectares. Donc, vous voyez que c'est, en fait, l'intérêt de cet aspect-là, c'est qu'on a tout sur le même terrain. C'est-à-dire que vous avez un centre de recherche, vous avez un centre de développement technologique à Thémis, et vous avez une centrale commerciale. Et donc, tout étant sur le même terrain, ça peut permettre de faire des synergies. Donc, c'est un peu la logique qui avait été suivie dans ce domaine. Donc, vous voyez qu'il se passe quand même des choses dans notre département sur le solaire. Bon, c'est un peu long, mais ça se fait. Voilà. Alors, Thémis, c'était ça à l'époque. Hein. Donc, vous avez une photo de Thémis en... Je ne sais pas quelle, c'était entre 83 et 86. Hein. Et donc, vous voyez, les héliostats, la tour et le système en fonctionnement. Alors,
le principe de fonctionnement, on y reviendra un tout petit peu après, mais c'est en fait un sel fondu, alors c'est pas un sel de mer, hein, c'est un sel nitrate, peu importe, qui était maintenu à l'état liquide, et donc avec on chauffe ce sel dans le récepteur solaire, il y a un bac chaud, il y a un bac froid, et puis en fait, eh bien, on va échanger la chaleur entre le bac chaud et le bac froid, et donc on va générer de la vapeur, on va entraîner une turbine. Voilà. Alors ce concept de centrale, qui a fonctionné dans ces années-là, donc en France, c'est aujourd'hui le concept de le principe général qui est le meilleur et qui aujourd'hui est le développement mondial dans le domaine central à tour, c'est sur cette technologie-là. Sauf qu'on n'est plus, on n'est pas du tout leader parce qu'on a arrêté, et donc maintenant les leaders ce sont les Espagnols et les Américains qui ont repris la technologie et qui maintenant la vendent. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un coup raté, quoi. Voilà. c'est comme ça. C'est les choix. C'est les choix. C'est les choix politiques. Ça, c'est... Alors, juste pour finir l'histoire, en fait, vous voyez que le solaire à concentration, bah, c'est en fait, ça a démarré au 19e siècle, hein, donc avec Mouchot, donc avec une imprimée à vapeur. Hein, voilà. Ensuite, il y a eu un certain nombre de développements, vous voyez, avec un certain nombre de dates. Hein. Vous avez ici, encore à la fin du 19e, vous avez ici, au début du 20e, hein, tous des systèmes de concentration, en production de vapeur, etc. Donc, vous voyez que la problématique du solaire à concentration, bah, elle n'est pas nouvelle. Sauf que, cette fois encore, bah, qu'est-ce qui a tué ça ? C'est le pétrole, tout simplement. Parce qu'après, on a développé le pétrole, et donc ça a fait complètement... Enfin, le pétrole, c'est plutôt là, dans ce cas-là, c'est plutôt le charbon, mais après, c'était le pétrole. Donc, vous voyez, ce qui a tué le solaire, ça a été d'abord le charbon, ensuite, c'était le pétrole, un peu le nucléaire, et puis après, bon, voilà, maintenant, on dit, bon, on va essayer de faire autre chose. Il est temps. Alors, pour finir, centrale de Yeo, c'est ça. Vous avez ici la centrale, vous avez le système de concentration, hein, ce sont les lames dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis le principe de fonctionnement, on génère de la vapeur à peu près à 300 degrés, et puis on va, y a des bacs de stockage et on a des turbines. Voilà. Donc la centrale qui doit démarrer cet automne, hein, qui va être, disons que ça va être les premiers, vous savez, c'est un peu long à démarrer ça, c'est une première pour l'industriel qui fait ça, qui s'appelle Sunknim, et donc ça va, le démarrage va durer un peu longtemps quand même, et donc la puissance est 9 MW avec 4 heures de stockage. Stockage thermique, hein, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, comment ça marche ? Alors, je vais parler un peu de centrales solaires dans le monde. Donc, je vais parler de deux technologies, hein, qui sont les technologies industrielles aujourd'hui, les centrales à tour et les cylindres paraboliques. Et j'ai rajouté ici, pour vous donner à peu près les ordres de grandeur, ça, c'est un stockage thermique, hein, donc, qui représente la production équivalente de 1,1 gigawatt-heure. Alors, gigawatt-heure, ce sont 1000 mégawatt-heure. Le mégawatt étant 1000 kWh. Hein, donc c'est 1 million de kWh. Voilà. Et donc vous voyez la taille, c'est un stockage thermique. Hein, c'est absolument pas c'est pas du batterie, c'est du stockage thermique. On sait très bien stocker la chaleur avec des très bons rendements, donc j'en reparlerai un peu sur la fin. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le solaire à concentration, c'est un bébé dans le monde des énergies renouvelables. Les ordres de grandeur, c'est suivant. Photovoltaïque aujourd'hui, hein, photovoltaïque plus éolien, c'est à peu près 1000 gigawatts. Avec à peu près 50 pour éolien photovoltaïque. Hein. Le solaire à concentration, c'est 5. Donc c'est 0,5% de cette valeur-là. Hein, donc c'est extrêmement faible par rapport à ces deux technologies qui ont été développées, je dirais, dans des périodes, avec un décalage d'environ 10 ans, 10 à 15 ans. Aujourd'hui, les centrales solaires dans le monde, hein, il y en a essentiellement dans deux endroits. En Espagne, vous avez 2,3 donc, gigawatts, donc 2300 mégawatts. Aux États-Unis, à peu près 1800. Et puis, il y a des développements actuellement dans pas mal de pays, en particulier au Maroc. On entend parler beaucoup de la centrale de Ouarzazate. Hein. Il y a des développements également en Afrique du Sud, au Chili et en Chine. C'est les pays pour lesquels il y a des gros développements actuellement. Alors, le principe et technologie, je vais simplement présenter quelques photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Donc, si vous voulez, c'est une conversion en plusieurs étapes. Vous avez le système de concentration dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a
ensuite un composant qui s'appelle le récepteur solaire, donc qui va capter l'énergie du soleil et qui va la transformer en chaleur. D'accord ? Cette chaleur, vous pouvez la stocker, vous transformez cette chaleur en ce qu'on appelle un fluide de travail, c'est en général de la vapeur qui va être turbinée dans la turbine. Voilà. Et l'intérêt encore de ce système-là, c'est que vous pouvez avoir un appoint, c'est-à-dire que c'est très important, parce que vous savez qu'il y a deux problèmes dans les énergies renouvelables, c'est d'une part produire l'énergie quand on en a besoin, stockage, d'autre part être sûr qu'on va pouvoir produire l'énergie. Sécurité d'approvisionnement. C'est pas la même chose. Hein. Et donc, si vous avez une centrale unique qui permet de faire les deux fonctions, c'est-à-dire déplacer la production en fonction des besoins et assurer que, de toute façon, même s'il n'y a pas de soleil, même si votre stockage est vide, vous allez quand même pouvoir produire, c'est quand même très intéressant pour un système exploitant un réseau. Puisqu'en fait, il est à peu près sûr, enfin, il est sûr qu'il va pouvoir produire quand on en a besoin et pas avoir un breakdown du truc. Alors, les récepteurs solaires, hein, je vous ai dit, concentration, récepteur, stockage, etc. Récepteurs solaires, il y en a deux grands types. Hein, des types de ce genre-là, donc vous avez, c'est un tube, c'est des systèmes linéaires. Vous avez un tube absorbeur avec un tube de verre autour pour limiter les pertes et dans lequel circule un fluide. En général, c'est de l'huile qui travaille à 400 degrés. Et puis les centrales à tour, donc ça c'est linéaire, ça c'est ponctuel, hein, toujours haute concentration. Ce sont des faisceaux de tubes, hein, qui sont irradiés par le soleil et dans lequel circule le fluide. Voilà, tout simplement, vous voyez, c'est deux technologies relativement simples, hein, du point de vue de la conception. Et donc, à l'intérieur du récepteur, ben, vous avez le fluide qui circule. Dans ce cas-là, vous avez, par exemple, vous introduisez en bas, il est chauffé, puis il ressort vers le haut. Alors, le stockage, donc très important, le stockage. Donc, évidemment, la fonction du stockage, il y a deux fonctions, hein. Atténuer les effets des variations brusques de l'éclairement solaire. Vous avez des passages nuageux, donc ben, votre turbine, vous voyez qu'elle fasse comme ça, parce qu'en fait, ça la détruit. Hein. Il faut savoir qu'une turbine, ça tourne, et si vous changez les régimes, ben, en fait, ça, ils n'aiment pas du tout. Et donc, ça atténue, et vous pouvez produire de façon continue. Hein. Et donc, ça, c'est une première fonction, mais ça, c'est une échelle courte. Et le stockage, donc plus longue durée, plusieurs heures, c'est adapter la production à la demande. Donc en particulier, vous avez ici le schéma tout simple. Vous avez ici la demande d'électricité. Donc c'est typiquement une demande d'électricité pendant les périodes, par exemple, période d'été ou dans un. Ça dépend des pays, hein, mais en général, il y a une demande le soir quand les gens rentrent à la maison, etc. Font commencer à faire la cuisine et tout. Et donc en fait, c'est là, il n'y a plus de soleil parce que ça, le soleil, il est là. Et donc, s'il n'y a plus de soleil et qu'il y a une demande, comment je fais ? Donc, en fait, je produis simplement en chargeant ici mon stockage et puis en déchargeant. Et donc, à partir de 22 heures, il n'y a plus beaucoup de besoins, donc on peut arrêter. Voilà. Donc, vous voyez, on décale tout simplement avec le stockage. Donc, vous avez ici deux courbes, par exemple, deux exemples. Vous avez ici, alors ça, c'est pour la Californie, mais c'est pour vous montrer deux types de courbes de demande. Vous avez ici en janvier, donc pendant l'hiver, et vous avez pendant l'été. Pendant l'hiver, c'est besoin de chauffage. Même en Californie, et puis en fait occupation des locaux. Hein. Donc vous avez deux pics de demande, le matin et le soir, le rayonnement solaire et la production avec le stockage. Et pendant l'été, en fait, c'est essentiellement climatisation. Hein. Et donc en fait, les gens arrivent chez eux, ils mettent en marche la climatisation. Et donc en vous avez besoin de clim vers la fin de la journée parce qu'il y a une demande importante. Vous voyez, donc en fait, c'est assez important, c'est de savoir adapter cette production à la demande. Les technologies de stockage, en fait, aujourd'hui, il y en a deux qui sont industrielles. Ce qu'on appelle les accumulateurs de vapeur, qui sont en fait des accumulateurs d'eau sous pression, à haute pression, hein, c'est plusieurs dizaines d'atmosphères, hein, et les sels fondus. Donc, ce sont encore les mêmes sels, hein, les nitrates, qu'on utilise dans deux bacs de stockage. Donc, vous avez ici les accumulateurs de vapeur. Hein, ça, c'est une centrale qui est en Espagne, qui s'appelle PS10. Et puis ici, deux bacs de stockage, donc chaud et froid, qui sont utilisés pour faire du stockage thermique dans une centrale hydroparabolique. Donc en fait, si vous voulez, je vous ai dit, hein, le principe du stockage sur deux bacs, c'est d'utiliser la différence de température entre le chaud et le froid, comme on utilise. C'est exactement pareil que l'utiliser à la hauteur, par exemple, de chute dans une turbine hydraulique, c'est pareil. Le delta, la différence de température joue le rôle de la différence de hauteur dans une turbine. C'est exactement dans une turbine
hydraulique. Hein. C'est exactement la même chose, hein, du point de vue du principe. Donc en fait, plus l'écart de température est élevé, plus vous avez d'énergie disponible. Voilà. Alors je vais passer ça parce que c'est pas... Voilà. C'est juste un petit exemple pour une centrale donc, qui est en Espagne du type... donc c'est 50 MW en Dassol. Hein, c'est un principe général qui est repris dans plein de centrales. Hein, vous avez ici donc 7h30 de stockage. Je vais revenir sur la notion de facteur de recharge par la suite. Hein. Donc facteur de recharge, c'est 45%, c'est-à-dire que ça peut fonctionner à pleine puissance à peu près la moitié du temps. Et puis vous avez les quantités de matériaux mis en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est un exemple hein, de centrale en fonctionnement avec 7h30 de stockage. Alors, la notion de facteur de charge. Ça, c'est une notion très importante, j'y reviendrai par la suite. Alors, le facteur de charge, c'est quoi, tout simplement? C'est la durée pendant laquelle... C'est un rapport, en fait. Hein. C'est un rapport de la durée pendant laquelle vous fonctionnez à pleine puissance, dans l'année, hein, donc un certain nombre d'heures, sur le nombre total d'heures dans l'année. C'est 8670, je crois, de mémoire. Donc, sans stockage, bah vous fonctionnez environ 1800 heures, 1800 à 2000 heures. C'est-à-dire que vous avez un facteur de charge d'environ 20%. OK ? Donc, c'est-à-dire que vous allez produire que pendant 20% du temps, hein, à pleine puissance. Alors, c'est une notion un peu délicate, parce que ça ne veut pas dire que vous avez... En fait, vous pouvez produire plus longtemps, mais pas à pleine puissance. Donc c'est une notion un peu... Bon, parce qu'on doit se donner une référence, mais bon, c'est juste parce que vous faites une centrale pour une certaine puissance, ce qu'on appelle nominale. Voilà. Alors, si vous mettez 7 heures de stockage, vous allez fonctionner à peu près le double. 3600 heures. Voilà. Si vous mettez 14 heures de stockage, vous êtes à 5700 heures, etc. Et vous êtes environ ici à 70% en facteur de charge. 70% de facteur de recharge est l'équivalent d'une centrale à charbon, enfin d'une centrale de base, hein, ce qu'on appelle la production de base. Hein. Vous voyez qu'en fonction de la capacité de stockage, vous pouvez en fait adapter votre, évidemment, l'ordre de production. Alors, en fait, on s'aperçoit qu'économiquement, ça ne vaut pas le coup d'aller beaucoup plus loin que ça. Et donc après, il faut simplement mettre un système d'hybridation qui vous permet éventuellement d'assurer derrière, parce que ça ne vaut pas la peine d'aller beaucoup plus loin parce que ça coûte cher, et donc vous n'allez pas produire pendant très longtemps avec cette capacité supplémentaire. Alors les technologies, je vais passer assez vite, c'est juste pour vous donner les schémas, parce que je pense que je vais plutôt passer plus de temps par la suite. Donc les deux grandes technologies actuellement, hein, c'est les cylindres paraboliques, avec une huile comme fuite de transfert, ça fonctionne autour de 400 degrés, stockage chez le fondu, donc en fait il y a trois circuits, hein, je vais revenir juste après, puis après les centrales à tour. Alors, les cylindres paraboliques, ça fonctionne comme ça. Vous avez un champ de captation hein, qui vous chauffe cette huile qui est une huile organique autour de 400 degrés, hein, 393, mais c'est autour de 400 degrés. Vous avez des bacs de stockage qui sont en sel fondu, donc ici le système rouge, là, tout ce qui est le réseau rouge, c'est de l'huile, le vert, c'est du sel fondu, et le bleu ici, c'est de la vapeur, donc vous avez trois blocs, le bloc de captation, le bloc de stockage et le bloc de production. Oui, c'est simple, hein, donc et donc vous voyez très bien que ça, c'est un bloc standard. Ça, vous mettez ça sur une centrale à charbon, c'est pareil, c'est le même système, hein, il n'y a rien de nouveau là. Ce qui est nouveau dans le système solaire, c'est ça, c'est pas le reste. Hein. Voilà, donc ensuite les centrales à tour, bah vous avez, par contre là vous n'avez que deux circuits. Un circuit c'est le fondu hein, et un circuit vapeur. Alors il se trouve que pour des raisons techniques dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, on peut monter à beaucoup plus haute température et donc là on peut monter à 560 alors que tout à l'heure on n'était qu'à autour de 400 degrés. Donc ça veut dire que dans le cas des centrales à tour, c'est pour ça que cette technologie aujourd'hui elle offre, même si industriellement elle n'est pas encore... totalement au même niveau que les cylindres paraboliques. La capacité de stockage dans les centrales à tour, c'est trois fois supérieure pour la même quantité de matière que pour les cylindres paraboliques, parce que la différence de température est plus élevée. Hein, je vous ai parlé de ça, c'est avec la même chose. Alors, quelques exemples. Donc aujourd'hui, ben, on va vers des centrales de forte puissance. Vous avez ici la centrale Solana en Californie, 250 MW, c'est quand même déjà beaucoup, hein, c'est déjà une belle centrale. Pour vous donner des ordres de grandeur, hein, un EPR, c'est 1600 MW.
Donc c'est pas totalement ridicule par rapport à un EPR. Quoi, tout ça. Simplement pour vous citer, c'est juste intéressant d'avoir les ordres de grandeur. Hein. Donc voilà, donc ici, ben, on a, vous avez ici les bacs de stockage, et puis vous avez ici tout le champ de captation, et puis le système de transformation. Ensuite, ici, vous avez une centrale à tour, donc avec les bacs de stockage qui sont ici. Hein, vous voyez. Ici, le système de refroidissement, et puis les turbines derrière. Et vous avez tous les miroirs qui sont tout autour de la tour, et vous avez le récepteur qui est en haut de la tour. Et donc ça, c'est une centrale aux États-Unis qui fait 110 MW avec 10 heures de stockage. Alors, un autre point qui est important, parce qu'il y a des discours aussi que j'entends qui pour moi ne sont pas très, très scientifiques. Quand nous, on parle de stockage, 10 heures, c'est stockage à pleine puissance. D'accord ? C'est-à-dire vous fournissez 110 MW électriques pendant 10 heures. Quand on fait du stockage sur batterie, par exemple, on dit on a tant d'heures de stockage. En général, ce n'est pas à la puissance nominale. C'est à peu près 2 à 3 fois inférieur à la puissance nominale. Okay ? Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on ne parle pas de la même chose. Donc il faut, voilà, il faut avoir ça dans la tête. Alors, quelques exemples de recherche. Juste pour vous donner quelques idées de quoi, sur quoi on travaille. On travaille sur ce qu'on peut appeler une troisième génération de centrales solaires. Il existe des systèmes industriels, mais on va essayer de les améliorer par la suite. Hein. Donc en fait, il y a trois idées générales. Fonctionner à peu de température, pourquoi ? Parce qu'il y a une loi de la thermodynamique qui s'appelle la loi de Carnot qui dit que la conversion de l'énergie thermique en électricité augmente avec la température du système, de la source. Bon, donc on cherche les hautes températures. Évidemment, intégrer la fonction de stockage, parce que ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui de faire d'une centrale solaire thermodynamique sans stockage. Pourquoi ? Parce que le photovoltaïque est moins cher, tout simplement. Donc, il faut faire du stockage. Parce que par contre, on sait bien stocker et on est moins cher sur le stockage. Donc ça, c'est clair. Et puis, évidemment, convertir, ça c'est lié au premier, hein, convertir la chaleur en électricité avec un très bon rendement. Et aujourd'hui, on est environ autour de 40% de rendement de conversion de la chaleur vers l'électricité. Ce n'est pas le rendement de la centrale, hein, c'est uniquement le rendement chaleur vers l'électricité. Le rendement de centrale, c'est autour de 20%. Donc, avec des rendements de passer de 40 à 50%, grosso modo, donc augmenter de 20% en relatif le rendement des centrales. Voilà, donc ça, c'est les grands domaines. Alors voilà, donc j'essaie de vous donner les ordres de grandeur. Comment on peut calculer le rendement d'une centrale ? Juste une qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, vous avez trois blocs, trois grands blocs plus les pertes. Donc, vous avez un rendement qui est le rendement du système optique. L'optique, elle n'a pas un rendement de 100%. Hein, vous ne captez pas l'ensemble du soleil, donc autour de 65%. Vous avez le rendement de captation du récepteur, autour de 85%. Et puis vous avez le rendement d'un cycle, du cycle thermodynamique, c'est-à-dire chaleur, électricité. Et donc si vous multipliez tous ces rendements, et là vous avez un facteur de perte, et ben vous obtenez à peu près 20%. Voilà. Ça vous donne les ordres de grandeur. Donc pour augmenter, il faut augmenter en fait tout, si on peut, au moins un des trois, hein, et diminuer éventuellement les pertes. Voilà. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est de passer de 21% à 25% ou 28%. Voilà. C'est à peu près les objectifs qu'on se fixe. Alors c'est pas, ça a l'air rien, mais ça peut changer complètement l'économie du système. Alors, quelques exemples. Donc, en fait, premier exemple, donc on travaille sur des systèmes nouveaux qui vont changer complètement le vecteur d'énergie qui va capter l'énergie solaire. Et donc, en particulier, l'utilisation de particules. Donc, grosso modo, le principe est simple. Vous imaginez quelque chose qui va ressembler à du sable. Hein, donc, pourquoi on cherche ça ? Parce que c'est les hautes températures. Alors, le point important, c'est que les sels fondus qu'on utilise dans les centrales actuelles se décomposent au-dessus de 600 degrés, donc on ne peut pas les utiliser, parce qu'ils vont se décomposer, donc le système ne va plus marcher, donc ils ne vont plus être liquides. Et donc, il faut chercher d'autres fluides, et en particulier, il n'y a pas beaucoup d'autres fluides. Hein. Il y a les gaz sous pression, il y a éventuellement les métaux liquides, mais c'est quand même assez délicat. Vous savez qu'on utilise le sodium, par exemple, dans certaines centrales nucléaires, mais là, c'est à l'air libre, c'est un peu délicat en termes de sécurité. Hein, le sodium, ça brûle à l'air, hein, donc et ça peut être explosif, donc c'est délicat. Voilà, donc je préfère ne pas utiliser ce genre de choses. L'idée, c'est d'utiliser des particules. Donc, ces particules qui sont de la taille d'un sable fin, eh bien, en fait, il y a un certain nombre de technologies qui permettent de les faire circuler, comme un liquide.
Voilà, faut garder ça dans la tête, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc en fait, le principe il est suivant, bah, vous remplacez le sel fondu par des particules, et puis vous le faites tourner dans le système, et vous produisez de l'énergie derrière. Voilà. Donc ça, c'est un premier principe. Alors vous avez ici une petite animation qui vous permet de comprendre. Vous avez ici, en fait, les particules qui remplissent un réservoir. On met ce réservoir sous pression, on fait monter les particules dans les tubes, on récupère les particules dans le stockage à haute température. Vous avez un échangeur de chaleur, et puis là, on va faire tourner une turbine à gaz, mais bon, on peut faire tourner une turbine à vapeur si on veut. Et puis, donc on va échanger la chaleur ici, on va récolter les particules dans le stock froid, puis on va refaire le circuit. Voilà. Donc c'est très simple, c'est le même principe que le reste, mais sauf que ce sont des particules. Alors, je vais passer, alors évidemment, quand il n'y a pas de soleil, ben, on utilise le stockage, hein, tout simplement. Voilà. Et puis, le deuxième exemple dont je voudrais vous parler, c'est l'origine, c'est Xavier Pi, hein, qui est dans la salle. Hein. Donc, c'est une idée qui est très intéressante et tout à fait emballante, c'est d'utiliser le recyclage de matériaux qui sont aujourd'hui des déchets, pour stocker l'énergie thermique. Et donc, ça a démarré par l'amiante. Vous savez que la toxicité de l'amiante, ce n'est pas une toxicité chimique, c'est une toxicité due à la forme de fibre. Hein, voilà. Et donc, si vous transformez ces fibres en un matériau solide, bah, vous n'avez plus du tout de toxicité. Et donc l'idée, ça a démarré comme ça. Donc, eh bien, vous récupérez l'amiante, vous la faites fondre, et puis vous avez un matériau qui est extrêmement peu coûteux, qui permet de faire du stockage, qui a été comparé ici à différents, par exemple, les céramiques, les sels fondus, et puis ce qu'on appelle la cofalite. Vous voyez que les niveaux sont équivalents avec un coût qui est à peu près 100 fois inférieur. Voilà. Donc c'est un... Alors, évidemment, cette idée, au départ, c'était sur l'amiante, mais maintenant, ça a été développé à un niveau bien plus large, en particulier avec ce qu'on appelle les laitiers, hein, de l'industrie sidérurgique, où là, il y a des millions de tonnes. C'est absolument un gisement colossal. Et donc, on peut imaginer, cette fois, de faire des stockages bon marché, à très, très grande échelle. Alors, maintenant, je vais aller vite, parce que je voudrais quand même vous parler un peu de ça. Stockage. Alors, évolution des coûts. Alors, je vais aller vite là-dessus parce que je vais aller assez vite, mais je voudrais passer à l'essentiel. Alors, les stockages aujourd'hui, stockage hydraulique, stockage thermique, stockage électrochimique. Aujourd'hui, on sait faire très très bien des stockages hydrauliques, hein, vous savez, les barrages, bon, mais on ne peut pas le faire partout. Bon. Donc, on parle beaucoup de stockage électrochimique sur batterie, et puis on a le stockage thermique. Et donc, les chaînes de conversion sont ici. Hein. Vous avez, pour le photovoltaïque, vous avez le champ solaire, un régulateur, les batteries, et puis un onduleur qui vous permet de débiter sur le réseau. Et puis, pour le solaire à concentration, vous avez le champ solaire, le récepteur, du stockage thermique et la turbine. Alors, je vais passer tout ça parce que ça ne vous intéresse pas directement. Par contre, je vais essayer de faire une petite comparaison. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2016 sur la comparaison de coûts de stockage en fonction des technologies. Alors, on sait l'évolution des coûts, etc. Alors, pour un stockage de 3 heures, donc ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a en fait 3 courbes. Hein. Ça, c'est les années, et puis ça, ce sont les technologies. Donc, la courbe bleue, c'est le solaire à concentration. La courbe rouge, c'est photovoltaïque plus batterie avec 10 ans de durée de vie des batteries. Et la courbe verte, c'est 15 ans de durée de vie. Donc, vous voyez que pour le stockage 3 heures, aujourd'hui et jusqu'à à peu près 2020-2025, on est à peu près, on est sûr que le solaire à concentration donnera un coût inférieur de stockage. En 2030, on ne sait plus parce que là, vous voyez que ça c'est les incertitudes, parce qu'on ne sait pas exactement l'évolution des coûts des batteries. Donc, ce sont des marges d'incertitude. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les courbes d'expérience, et ça, c'est s'il y a des ruptures technologiques. Donc ça, c'est pour 3 heures de stockage. Par contre, pour 9 heures de stockage, eh bien, dans tous les cas, le solaire thermodynamique sera moins cher, de toute façon, et d'un facteur 2. Hein. Donc, stockage longue durée, il faut préférer le solaire à concentration. Alors voilà, donc ça, je vais passer. Par contre, ce qui est important, je voudrais, simplement parce que je voudrais essayer de faire passer quelques idées... qui me semble important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prix d'électricité.
Or, ce n'est pas pour moi le bon... c'est comme si on parlait du PIB et par rapport au bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que vous avez un fort PIB que vous êtes heureux, quoi. Bon, il y a des gens riches et des gens pauvres, donc ce n'est pas toujours directement corrélé. Alors, c'est la même chose. Le prix de l'électricité et la valeur, c'est pas pareil. Parce que vous pouvez produire de l'électricité à faible coût, mais pendant une période, vous n'en avez pas besoin. Ça peut arriver. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il faut intégrer, c'est tous ces éléments-là, hein, c'est-à-dire facteur de charge, la durée de production, la capacité de répondre à la demande, les emplois, etc. Donc, il y a plein d'éléments qui interviennent là-dedans. Donc, le facteur de charge, juste pour comparer, hein, l'éolien, facteur de charge, je vous rappelle, hein, c'est la proportion, donc 2300 heures, c'est 27%. Le photovoltaïque, c'est 18%, en moyenne, hein, sans stockage. Hein. Et puis, le solaire à concentration avec 7 heures, c'est 41%, avec 12 heures, c'est 55%. Donc, je rappelle ces éléments-là. Et donc, je vais passer vite. Si on parle de valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, cette valeur, en fait, elle est liée à deux éléments. Soit vous ne consommez pas d'énergie par rapport à, par exemple, au fait que vous devez construire des centrales en cas de ce qu'on appelle le backup, c'est-à-dire en cas de non-production. Vous êtes obligé d'un exploitant de réseau, il est obligé d'avoir une centrale en réserve pour si jamais vous avez un pic de demande. Or, si vous avez un système qui vous permet d'éviter de construire cette centrale supplémentaire, ben vous avez gagné de l'argent. Ça se comprend facilement. Hein, voilà. Et donc, en fait, dans un système, si on s'imagine maintenant ce projet dans 15 à 20 ans, dans un système, on aura à peu près entre 30 et 40% d'énergie solaire dans le réseau. Eh bien, en fait, la valeur de l'électricité produite par un système à concentration, à cause du fait qu'on a ce stockage de longue durée, sera supérieure à du photovoltaïque. Mais il y aura les deux. Hein, c'est simplement que cette notion de valeur, c'est important de l'avoir en tête. Et en fait, les deux sont complémentaires. Et aujourd'hui, en fait, les opérateurs travaillent là-dessus. Ils imaginent des centrales où, en fait, on va produire le jour avec un champ photovoltaïque, on va stocker l'énergie thermique avec une centrale à tour qui ne fonctionnera pas la journée, qui fonctionnera que le soir et pendant la nuit ou le matin suivant. Voilà. Donc, en fait, il y aura les deux combinés. Voilà. Alors, je vais terminer par une diapo qui, pour moi, est peut-être la plus importante. Donc, voilà. Alors, contexte réchauffement climatique, pour un peu avoir des idées, des chiffres importants. Émissions de gaz à effet de serre. Vous savez que l'émission de gaz à effet de serre, ça peut être, c'est lié à deux phénomènes, enfin deux causes. C'est vous dépensez de l'énergie pour construire votre système, donc vous émettez éventuellement du CO2, si ce n'est pas des énergies renouvelables. Donc en fait, pour produire, vous consommez, donc vous émettez. Donc ça, c'est un problème. Et ensuite, quand vous exploitez, si vous utilisez des combustibles, là, vous brûlez, vous émettez. OK. Donc ça se comprend facilement. Donc si vous êtes en énergie renouvelable, la deuxième partie elle disparaît puisque vous n'émettez rien. Bon, par contre, la première partie reste. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc les émissions de gaz à effet de serre dues à la construction. Alors, pour le solaire à concentration, on est à 28 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Par comparaison, parce que c'est toujours comparé, pour avoir les chiffres dans la tête, vous êtes à 950 pour le charbon. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, 20 fois dessus. Vous êtes à 350 pour du gaz, et pour le photovoltaïque, vous êtes entre 60 et 150. Alors, pourquoi? Parce que ça dépend où sont fabriqués les panneaux. Vous êtes à 150 en Chine. Pourquoi? Parce que la Chine produit son énergie avec des centrales à charbon. Si c'est en Europe, ça sera 60. Voilà. Mais il existe beaucoup de discours faux sur le photovoltaïque. Évidemment, ça met un peu de CO2, mais c'est de toute façon inférieur à même une centrale à gaz d'un facteur 2 à 3. Donc, des gens qui vous disent « oui, le photovoltaïque, ça émet », dites-leur « ok, mais non, c'est... on a réduit d'un facteur 3 au minimum. » Ok, donc c'est faux. Premier élément. Temps de retour énergétique. Un an pour une centrale. C'était le temps de retour énergétique quoi? La centrale, combien de temps doit produire la centrale pour rembourser l'énergie qui a été consommée pour la construire? C'est tout simple. Au bout d'un an, vous avez remboursé. Donc, si la centrale dure 25 ans, vous avez compris que ce n'est pas la question. D'accord?
Consommation d'eau, ça aussi, j'ai lu des choses et encore ce qui m'ont beaucoup énervé, parce qu'on donne des chiffres, en particulier il y a un bouquin là sur les météores rares, etc., que je suis en train de lire, qui raconte des conneries. Pour moi, bon, c'est important de dire que les technologies sont pas... Il y a plusieurs technologies, donc si on prend qu'un chiffre isolé dans une technologie vaste, ça ne va pas. Si on utilise des refroidissements, c'est-à-dire qu'on utilise... parce qu'il y a un système thermodynamique source froide. Source froide, en général, une centrale type centrale électrique classique, charbon ou nucléaire, ça utilise l'eau. Bon. Ici, évidemment, on va aller dans les pays où il n'y a pas d'eau, donc on ne va pas faire des centrales avec de l'eau. Évidemment. Donc si on utilise l'air, évidemment, on consomme très peu d'eau, on consomme à peu près un quart de litre par kilowattheure. Pourquoi ? Parce qu'il faut au minimum laver les miroirs, parce que sinon on va perdre beaucoup d'énergie. Bon, voilà. Donc ça, c'est autre chose. Et enfin, utilisation des ressources minérales, un point très important. On n'utilise pas de métaux rares dans ces systèmes-là, sauf de l'argent, parce qu'il y a les miroirs. Et tous les matériaux sont recyclables. Donc ça, c'est aussi important en termes de projection technologique. C'est un point sur lequel je pense qu'on ne fait pas assez attention aujourd'hui. Aujourd'hui, la question des ressources est une question cruciale quand on pense développement d'énergie renouvelable. Il faut regarder ça de façon attentive parce que c'est des quantités très importantes. Donc, je vais conclure rapidement. Donc, puissance installée, j'en ai parlé. Coût d'électricité, juste une petite conclusion là-dessus. En fait, on est aujourd'hui largement en dessous de 10 centimes d'euros par kilowattheure. Je vous rappelle que c'est le chiffre qui est donné aujourd'hui pour les EPR. Je pense que c'est sous-estimé. On est en dessous de ce chiffre-là dans les zones à ressources solaires moyennes jusqu'à fortes. On est les derniers... alors, vous savez que pour construire ces centrales, en fait, il y a des appels d'offres internationaux et donc on propose un prix d'achat de l'électricité. Il y a deux grosses centrales, une en Australie et une en fait à Dubaï, qui sont à 6 centimes de dollars par kilowattheure en Australie et qui sont à 7 pour Dubaï. Donc Dubaï, c'est pas terrible, hein. Le rayonnement solaire, c'est 2000 kilowattheures par mètre carré par an, c'est-à-dire que c'est quasiment la Cerdagne. Ouais, on n'est pas dans les zones extrêmement... On n'est pas au Chili, hein, on n'est pas à 3800. Hein, donc, vous voyez. Donc, en fait, on n'est pas loin du tout de cette parité, ce qu'on appelle la parité. Bon. Voilà. Pour les stockages longue durée, je pense qu'aujourd'hui, il faut... je suis critique sur l'utilisation de batteries pour stockage longue durée. Ça ne me paraît pas une bonne solution. Hein. Surtout qu'on n'est pas sûr encore du recyclage. Pour le stockage courte durée, oui, mais longue durée, non. Les problèmes de durée de vie, hein, c'est important, hein, en particulier pour le stockage. Et puis, voilà, lorsqu'on parle système énergétique du futur, il faut penser à tout. Il ne faut pas passer qu'au coût, il faut penser à l'environnement. Il faut penser évidemment à tout ce qui est l'analyse de cycle de vie, les emplois, etc. etc. Donc, il faut penser global, il ne faut pas penser uniquement prix. Ça, c'est très, très important. Et juste pour vous montrer que ça c'est une centrale solaire avec des moutons derrière, donc ça peut aussi ça peut aussi se être compatible et non pas utiliser des ressources qui sont pas on peut partager également le territoire. Voilà, je terminerai par la photo du four solaire quand même. Donc merci de votre attention.